Oui, Claude. Ok. Non, mais c'est bon, j'ai bien compris la nouvelle ligne éditoriale. Plus de véhicules écologiques, hybrides, électriques, y a pas de souci. Ok, donc écoute, pour le prochain essai, je te trouverai quelque chose de vraiment vert. Pas de problème. Vous l'aurez compris, aujourd'hui, on ne va pas beaucoup parler de consommation et de CO2. Pardon Claude. Parce que notre essai du jour, c'est une Ford Mustang Boss Millésime 2013. Découvrons ensemble la bête. La Boss se distingue donc de la Mustang de base par ses teintes criardes. Mais ce n'est pas tout. Cette année, les bandes latérales de type cross de hockey rappellent celles de 1970. Physiquement, la Boss se pare d'un proéminent spoiler avant, de bas de caisse, d'un aileron et de jantes 19 pouces spécifiques. Cela lui donne un aspect très agressif, ça cache forcément quelque chose. La face avant dispose de nouvelles optiques, elle se veut épurée, mais on regrette la calandre en plastique qui fait vraiment très cheap. En revanche, l'arrière est une réussite totale, avec ce nouveau bandeau noir au faux concave, c'est simplement superbe. Plongeons maintenant sous le capot pour y découvrir cet imposant collecteur d'admission spécifique à la Boss. Le haut moteur et l'équilibrage mobile ont été revus, les pistons sont forgés, le vilebrequin équilibré et le circuit d'huile a été revu pour encaisser des jets sans frayeur. Concrètement, ce V8 sort 444 chevaux et 515 Nm, le 0 à 100 est donc expédié en moins de 5 secondes, je vous laisse imaginer quelle est sa concurrence. Petit détail amusant, la dureté de la suspension se règle par cette petite vis sur 5 niveaux différents. A l'intérieur, l'ambiance se veut également sportive avec un volant gainé d'Alcantara, de superbes récaros très confortables, un levier en boule de bière au maniement ferme mais direct, mais des finitions encore américaines. C'est propre, mais les matériaux manquent globalement de noblesse, et oui, ici aussi ça fait un petit peu cheap. Ford ne pouvait pas omettre quelques petites gourmandises comme les track apps qui vous donneront toutes les infos cruciales sur la santé de la Boss. On retrouve donc logiquement un arbre de Noël qui vous permettra de vous mettre dans de bonnes conditions pour un 0 à 100 musclé. Pas encore parfaite, elle n'a pas la précision et l'efficacité d'une M3 par exemple, mais très honnêtement elle vous délivre des sensations absolument exceptionnelles. Son V8 dépourvu d'inertie de 444 chevaux a une sonorité absolument démentielle, et quand vous commencez à attaquer un petit peu, que vous avez ce V8 qui vous prend au trip, c'est impossible de pas croquer. Je me fais défendre. Avec cet incroyable moteur, ce châssis soigné, la Mustang apparaît comme une aubaine aux USA où elle est vendue à partir de 42 000 $. Chez nous, elle se retrouve à 70 000 € chez les importateurs, mais même à ce prix, elle offre un rapport prix-plaisir incomparable. Il est finalement difficile de la comparer à une M3, qui est certes plus chère, mais qui est infiniment mieux finie et plus polyvalente. Cependant, c'est la première vraie Mustang que l'on pourrait emmener telle qu'elle sur circuit pour taper quelques européennes, et c'est déjà pas si mal.